Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, on croyait notre fluide éteint depuis 15 ans. Quand une jeune équipe parvient à réveiller le souffle d'Aquilian et remporte la mythique Galactic Football Cup. Les Snow Kids sont entrés dans la légende. Aujourd'hui, ils vont tenter l'impossible. Remporter la coupe une nouvelle fois. Sont-ils prêts pour un tel défi? Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Une question brûle les lèvres de tous les fans de football. Comment comptez-vous rééditer cet exploit? Nous allons faire de notre mieux sur le terrain et donner notre maximum. Et nous irons au bout de la même façon que la dernière fois avec 3 mètres hauts, entraînement, rigueur et jeu collectif. Aito n'a pas pu être présent sur le plateau pour cette émission, mais tout comme ses coéquipiers, il est très excité à l'idée de rejouer dans la Cup. Aito. Et il a vraiment hâte que la compétition commence. C'est apparemment bien plus grave que je ne le pensais. Notre cousine Yuki est ici au Genèse Stadium. C'est une super bonne joueuse. On dirait que tu t'es trompée, t'avais pas qu'une photo. Toute de toi en plus. Une seule, c'était pas suffisant. Et je suis sûr qu'elle pourrait faire des merveilles avec les Snow Kids. Je me sens prêt à affronter le futur avec toi, tous les deux, père et fils. Je viendrai voir tous tes matchs. Et je te promets que si tu as besoin de moi, je ne serai jamais loin. Tia, ne va pas par là, c'est dangereux! Tia! Tiens bon, j'arrive! Rocket, aide-moi! Essaye de me donner ta main, Tia! Non, j'y arrive pas! Tu peux le faire! Donne-moi ta main! Rocket, aide-moi! Je vais tomber! Non, tu ne vas pas tomber! Donne-moi ta main! Rocket! Tia, non! La vie, mais tu t'es servi du souffle. J'avais pas vraiment le choix. Personne n'en saura jamais rien. Très bien, les tests sont terminés. Je vous remercie tous d'être venus. La liste des joueurs sélectionnés, s'il y en a, sera affichée dans le hall. On n'a pas vu grand-chose d'exceptionnel, hein? Et ce n'est rien de le dire, Clamp. Mais il nous faut un goal et il nous le faut tout de suite. Tran, où est Yuki? Pourquoi n'est-elle pas venue? J'en sais rien, coach. Et je vais essayer de la trouver. Tu sais, la Ligue autorise les équipes de Galactic Football à utiliser un clone si besoin. On n'a jamais eu beaucoup de chance avec les clones. Mais on n'a rien à perdre. Fais venir le clone. Tu es sûr d'avoir mis le bon clone, Clamp? J'ai bien peur que oui. Laisse-moi faire quelques réglages. Bon, c'est plutôt encourageant. Augmente la vitesse, Clamp. Faisons-lui passer le véritable test. Une utilisation illégale d'un fluide a été enregistrée dans la forêt du Genèse Stadium. Ce fluide, selon mes informations, se trouve être le souffle d'Aquilian. Mais c'est impossible, à moins que... Utiliser un fluide illégalement est quelque chose de très grave. Comme vous le savez tous, les règles du cercle des fluides sont très claires. L'usage des fluides est permis uniquement dans le cadre du Galactic Football. Une utilisation inappropriée pourrait conduire à une guerre galactique. Notre éminent membre du Conseil a raison. Nous n'avons pas d'autre choix que d'informer la Ligue immédiatement. Thank you.
Clamp, ça suffit, débarrasse-moi de ce clone. Essayons avec les Snow Kids. L'un d'entre eux aura peut-être la trempe d'un Ghoul. Arch, être gardien de but n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Puis même si un des Snow Kids fait l'affaire, il te manquera toujours un joueur. Et j'ai trouvé Yuki, coach. Parfait, Tran. Mais on va d'abord voir si un des Snow Kids s'en sort au poste de gardien. Tu passes juste après Mei. Allez, va te préparer. Ok, coach, je vais faire vite. Tiens, enfile ça. Bon travail, mec. Clamp, programme la vitesse maxi. Tu es prête? Ok, merci, Mei. Suivant. Tran, ça va? Suivant. Tu n'es pas un cours de danse classique, Rocket. Désolé, coach. Suivant. Merci, Tia. Suivant. Personne d'entre vous n'est capable d'arrêter un ballon. Coach, je suis sûr que ma cousine peut y arriver. Elle n'est pas venue ce matin parce qu'elle avait peur, mais là, ça va mieux. Eh bien, Tran, alors voyons voir de quoi elle est capable. C'est une perte de temps. Non, ça va le faire. Arrête de rêver, Micro-Eyes, tu l'as regardé? À tous les coups, elle va se planter. Moi, je pense qu'elle va très bien s'en sortir. Hé, hey, avant de juger quelqu'un, D-Jog, tu devrais attendre de le voir jouer. Tu vois? D-Jog, laisse-lui au moins sa chance. Moi, je l'aime bien. Oui, moi aussi, D-Jog. Moi, je suis bien obligé, c'est ma cousine, quand même. Alors ça, c'est pas commun. Mets la vitesse au maximum, Clamp. D'accord. Vitesse au maximum. Elle est calme et elle a de l'énergie à revendre. Désolé de te dire ça, mais... Alors ne dis rien, Micro-Ice. D-Joke, rentre dans l'holo-trainer avec Yuki et attaque comme si tu disputais un vrai match. Ne te retiens surtout pas. Je veux voir comment elle gère le stress. Mais avec plaisir, coach. Je croyais t'avoir dit de ne pas te retenir. Ouais, D-Joke, t'as pas envie de prouver que je suis une passoire?
t'en es très bien tiré, Yuki. Mais j'ai laissé passer le dernier tir. Ne t'inquiète pas, tu t'amélioreras avec le temps. Bienvenue chez les Snow Kids. Ouais. Tu t'es bien débrouillé. Bienvenue dans l'équipe, Yuki. Félicitations. Ouah, c'est trop génial. Tu vas rester avec moi. Enfin, je veux dire, avec nous. Fais pas cette tête d'enterrement, dit Joke. T'as fait tout ce que t'as pu, mais elle a été la plus forte. Bon, la fête est finie. Maintenant, retournez dans l'holo-trainer. Yuki ne possède pas encore le souffle, alors je veux que vous travailliez ensemble pour l'aider à l'acquérir. Je te l'avais dit, un Snow Kid ne se repose jamais. Chargez les données de votre match contre les Rikers pour améliorer votre jeu de passe. Bonjour, Arch. Ça faisait longtemps. Adim, quelle agréable surprise. Est-ce que je peux te parler en privé? Bien entendu. Clamp, Simbai, je vous laisse superviser l'entraînement. Mais c'est impossible. J'ai les mains liées. D'après le cercle des fluides, le souffle a été utilisé dans la forêt du Genes Stadium. Tu dois découvrir lequel de tes joueurs a utilisé le souffle ailleurs que dans un match et en informer la Ligue. Ce joueur sera suspendu temporairement en attendant le résultat de l'enquête. Je suis sincèrement désolée. Mais coach, on commençait tout juste à être chaud. Nous avons un problème. Je veux que vous m'écoutiez tous très attentivement. Qu'est-ce qu'il y a, Arch ? Adim vient juste de m'informer que le cercle des fluides a enregistré une utilisation non autorisée d'un des fluides. Cela s'est passé dans la forêt du Genes Stadium, et le fluide en question était le souffle. J'ai besoin de savoir, est-ce que l'un d'entre vous est allé dans la forêt récemment? Et plus important encore, est-ce que l'un d'entre vous a utilisé le souffle? Coach, personne n'utiliserait le souffle, aucun de nous ne ferait une chose aussi stupide. Je suis allé dans la forêt. Tia, tu sais pourtant qu'elle est interdite d'accès. Pourquoi as-tu utilisé le souffle? C'était moi, coach. Rocket? Pas toi! J'ai utilisé le souffle. Je m'excuse. Rocket, là je ne te comprends pas. Toi plus que quiconque connais l'importance du règlement de la Ligue. Comment as-tu pu faire une chose aussi grave? Il a fait ça pour moi. Dans la forêt, je suis tombée du haut d'une falaise. C'était un simple accident, mais ça aurait pu très mal se terminer. Si Rocket ne s'était pas servi du souffle...
L'équipe aurait perdu un joueur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis désolé, Rocket, tu es suspendu. Quoi ? Il plaisante, hein ? Pas vrai ? Tu peux toujours t'entraîner, mais tu ne pourras pas jouer tant que la Ligue n'aura pas rendu sa décision. Point final. Je comprends très bien, coach. Vous ne pouvez pas faire ça. Il a sauvé la vie de Tia. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? C'est notre capitaine, on peut pas rester sans bouger. Micro Ice, May, je ferai tout pour le sortir de là. Mais en attendant, nous devons nous conformer à la décision de la Ligue. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre les choses en main et je vais jouer le match All-Star. Je crois qu'il est un peu trop tôt pour parler de ça. Je vais aller parler à Rocket. Encore bravo, D-Joke, je te reconnais bien là, t'as toujours le mot qu'il faut. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Hé, hey, c'est Rocket le fautif, c'est pas moi. T'as pas attendu longtemps avant de vouloir... Bienvenue chez les Snow Kids, cousine, là où tout peut arriver. Tu vas quelque part ? Rocket, attends. Attends de voir ce que la Ligue va dire, ne t'enfuis pas. J'ai mis cette équipe dans une position difficile. Je suis le capitaine. Je n'aurais jamais dû aller dans la forêt. Tout est de ma faute. Non, tout est de la mienne, Rocket. J'ai accepté d'y aller. J'ai utilisé le souffle. Pour moi ? Où est-ce que tu vas aller ? J'en sais rien. Je vais peut-être rentrer sur Aquilian. En tout cas, je resterai non, ici. Non, ne fais pas ça. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors, tu vas te barrer comme ça ? Rocket, t'es notre capitaine, il faut que tu réagisses. C'est justement pour ça que je pars. Vas-y alors, va-t'en. C'est ta réponse au moindre problème, hein ? Parce que tu ne veux pas te battre. Pour toi ou pour nous. Tu parles d'un capitaine, c'est ça, allez, dégage. Super l'esprit d'équipe, D-Jog. Vraiment, je suis certain que tu l'as convaincu de pas partir. La cup est en train de nous échapper, je le sens, May. On devrait s'entraîner comme des dingues. Arch n'a vraiment pas été cool. Il aurait pu se battre contre cette suspension. C'est pas Arch le méchant dans l'histoire, c'est Rocket. Arch a fait ce qu'il avait à faire. Il va se battre et nous... Hey, regardez, D-Joke et May, c'est notre jour de chance. On peut prendre une photo ? Eh bien, désolé, mais c'est pas vraiment le moment. Moi aussi, je peux ? Encore une, s'il vous plaît. Hey, D-Joke ! J'ai entendu dire que les Snow Kids allaient encore remporter la Cup. Qui va remplacer Rocket ? Un autre clone ? T'es naturellement abruti ou tu prends des cours du soir ? Toi et ta copine, vous allez regarder la finale de la Cup sur une Hulu TV. Moi, je vous le dis, je vous ferai coucou. C'est de ça dont je te parlais, mais on est super mal, là. C'est nous, l'équipe. T'avais pas remarqué ? Rocket n'est pas dans sa chambre. Il est parti. Il va falloir que tu t'y fasses, Micro Ice. Je comprends pas de quoi tu parles. Rocket est parti avec son sac. Je l'ai vu s'embrouiller avec D-Joke. Avec D-Joke ? Mais je lui en veux pas. Il a sauvé la vie de Tia et ils l'ont suspendu pour ça. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? J'aimerais bien avoir un petit copain qui me sauve. Moi, je te sauverai, Yuki. Je te rassure, je n'ai pas besoin d'être sauvée, Micro Ice. Oh ? C'est une vraie dure à cuire. C'est plutôt elle qui nous sauvera tous les deux. Monsieur à l'Astroport, s'il vous plaît. Ah !
Arcadia Sport, en direct du Genèse Stadium, vous est offert par la Technoïde. Retrouvons tout de suite Kali et Nork. Les nouvelles en provenance du Genèse Stadium ne sont pas roses. Les Snow Kids semblent être en grande difficulté à quelques semaines à peine du début de la compétition. Nork, il semblerait qu'Arch soit à la recherche d'un nouveau gardien. Et des rumeurs circulent selon lesquelles le capitaine des Snow Kids, Rocket, aurait été temporairement suspendu par la Ligue. Si ces rumeurs se confirment, cela pourrait avoir de graves conséquences lors du match de verre. Tes vieux amis, les Snow Kids, sont dans le pétrin, Sinéad. Et où est passé Aito, l'extraordinaire gardien des Snow Kids? Personne ne l'a vu depuis que son équipe est arrivée au Genèse Stadium. Pourrait-il lui aussi être impliqué dans cette affaire? Et que va-t-il advenir de Rocket? Que va-t-il bien faire? Où va-t-il aller s'il écope d'une suspension définitive? Oui, entrez. Vous avez une minute, coach? Bien sûr. Entre, Tia, je t'en prie. Je voulais simplement vous dire que Rocket est parti. Parti? Mais où? Je n'en sais rien. Il a parlé de peut-être retourner sur Aquilian. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée d'aller en forêt. Tia, il ne faut pas t'inquiéter. Je me suis peut-être montré un peu dur avec Rocket. Je suis sûr qu'il va revenir et que la Ligue va prendre la bonne décision. J'espère que vous avez raison. Merci de m'avoir écouté. Arch, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tout va bien? Noratari, il faut qu'on parle. Je pense que tu devrais bientôt voir arriver Rocket. Temps pour toi de me trouver de nouveaux joueurs. Les meilleurs joueurs de Galactic Football, c'était notre accord, n'est-ce pas? Vous pouvez compter sur moi. Je parie que t'es dégoûté. À ta place, je le serai aussi. Partir est une solution, mais j'en ai une autre. Je connais un endroit où on peut jouer au foot totalement libre. Pas d'entraîneur et encore moins de public. C'est toi le patron. Ils appellent ça du Nether Bowl. Ça t'intéresse? Du Nether Bowl? Dans le prochain épisode, comment va Aito? Les résultats de ses examens ne sont pas bons. Son état ne s'améliore pas aussi vite que je le pensais. Je veux que les Snow Kids affrontent les Shadows en match amical. Qu'est-ce que tu dirais de demain? Voilà, on y est. C'est la sphère. La partie devrait bientôt reprendre. Nous allons enfin pouvoir commencer. On m'a dit que Rocket allait disputer le prochain match. Et c'est quoi les règles? Les règles? Y a pas de règles. C'est du Nether Bowl.